Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix de Turquie 2006 sur le circuit d'Istanbul. Donc, comme je disais dans la dernière vidéo, un circuit que j'ai rarement eu l'occasion de faire. Donc, on s'est un petit peu entraîné dans les essais, c'est assez moyen. J'ai envie de dire comme d'habitude. Du coup, on va lancer la séance des qualifications. Ça va être Vue compliqué. magnifique ici sur l'Istanbul Park et son incroyable virage 8 où se déroulent les séances de qualification du jour. La première séance va bientôt commencer afin de déterminer quelles seront les 6 dernières voitures de la grille. Le premier sur le circuit est Yuji Hide. Alors, ce qui va être compliqué, c'est vraiment que la voiture elle a pas de grip. Même si je mets en mode grip, elle a pas de grip. Et du coup, le triple 8, bah, on oublie. Hein. Honnêtement, j'arrive pas à le prendre bien. Après, le circuit en lui-même est pas trop mal, mais j'aime pas trop les virages un peu en aveugle comme on a ici, du coup c'est difficile de trouver une trajectoire. Et là, on va repartir en même temps que notre coéquipier. Donc, on va essayer de suivre un petit peu. Qui nous a laissé passer, ça c'est bien. Le triple 8, loul. Voilà, pas trop prendre parce qu'on n'a pas de grip. Bon. Là pareil, l'accélération sur la petite bosse, faut absolument pas accélérer à fond sinon on part directement à l'opposé en tête à queue. Ouais, la vitesse à laquelle elle revient derrière. La partie lente. Bon, on est complètement à l'extérieur d'ailleurs. Et le dernier virage. Allez, c'est parti. Je l'ai extrêmement mal pris. Vous avez la vitesse de sortie qu'ils ont par rapport à moi. J'ai pas raté le virage là, ça c'est sûr. Yuji Hide boucle son tour. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps. Il va plutôt chercher à l'oublier. Christian Albers réalise un nouveau temps. Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Absolument pas. Et de toute façon, j'ai essayé trois types de réglages. Aucun n'a fonctionné. Donc de toute façon, on va faire avec. Termine un tour complet. Bon, après j'ai aussi beaucoup d'essence donc c'est normal, là on va avoir moins, ça devrait être un peu mieux. J'ai eu de la chance de pouvoir passer maintenant.
Jenson Button boucle son tour complet. Allez, on est en avance dans le deuxième secteur. Content, sa voiture n'a pas cessé de balayer toute la largeur de la piste. Les pilotes bouclent actuellement un tour complet sans Jarno Trulli, Kimi Raikkonen, David Coulthard, Mark Webber. Un peu large malheureusement la sortie. Fernando Alonso. Takuma Sato achève son tour complet. Allez, on va faire une salve. On est combien? On est 19ème. Et il faudrait qu'on fasse une seconde de mieux, ok, tout va bien. Alors on va juste faire un truc. Là, je vais rehausser, hein. De toute façon j'ai pas le choix. Et au niveau de la vitesse, le dernier report en fait est trop long. Ah, je peux pas faire moins? Si, je vais pouvoir faire moins. Voilà, et on retour. Il reste 6 minutes. Mais je tourne à fond, on ne prend pas. Hein. Donc, heureusement qu'on n'a pas de pénalité quand on sent un peu large. Ah, pareil, je suis à fond pour tourner le tournel, tourne pas. Bon, probablement les pneus sont pas trop chauds, mais bon. Pour ça. Alors, le triple 8, j'en parle même pas. Ok, allez, je vais avoir la pression des autres derrière, magnifique. Nick Hedfeld achève son tour complet. Il a fait ce que l'on attendait de lui, vraiment. Je résiste le dernier secteur. Yuji Hide boucle son tour. Il a assez bien marché, pas mal du tout. Christian Albert se réalise un nouveau temps. Il sera furieux de ce chrono. Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant. J'ai raté mes deux tentatives. Oh là là, puis il s'arrête au moment où je suis devant. C'est pas grave.
Nico Rosberg réalise un nouveau. Mais vous voyez, c'est incroyable, enfin, je peux pas tourner quoi. Enfin, bref, comme d'hab. Alors, du coup, je sais pas si j'ai amélioré un petit peu mon trou non, par rapport à tout à l'heure, j'ai pas l'impression. Rubens Barrichello. Allez, regardez, je suis à 2 heures. Putain, c'est pas possible. Mais vas-y, mais passez, vous me saoulez aussi, c'est pareil. L'IA qui me fait chier toute la journée, de toute façon. Allez, go. Non, mais elle tourne pas, avec ce que je vous dis. Allez, on va essayer de faire un dernier tour. Yuji Hide boucle son tour. David Coulthard achève son tour complet. Allez, on va essayer de faire un dernier tour. 1:40. Christian Klien obtient un chrono. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps. Il va plutôt chercher à l'oublier. Felipe Massa termine un tour rapide. Il sera furieux de ce chrono. Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant. Juan Pablo Montoya obtient un temps de qualification. Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Je laboure un peu, mais peut-être que le chrono sera correct. Pourquoi pas je loupe ce dernier secteur. Yuji Hide boucle son tour. Il a fait ce qu'il fallait ici. Ben voilà, eh ben voilà, merci, allez, terminé. Putain. Allez, quitte à la séance, on n'est pas qualifié. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance. Mais pardon seulement, on est 19ème. Je pensais qu'on serait. Bah, genre dernier ou avant-dernier, quoi. Donc là, finalement, bon, c'est un peu mieux que prévu. Ils ne sont plus que 16 à la fin de. Allez, quittez la séance. Nous allons passer. Ils étaient 22. Quittez la séance à nouveau. Les jeux sont faits. De la 10ème place à la 9ème place. Allez. Bonjour et bienvenue à Istanbul Park pour une nouvelle édition du Grand Prix de Turquie. Istanbul Park se trouve à la périphérie d'Istanbul, sur la rive asiatique. Malgré son intégration récente au championnat du monde en 2005, le circuit a déjà acquis une certaine notoriété. Spa a son eau rouge et Istanbul Park a son virage 8, qui d'après certains a la réputation d'être le plus difficile de la F1. C'est le genre de virage où il ne faut pas hésiter à s'engager sans pour autant en faire trop, sinon vous risquez de finir dans le décor. Les conditions météo. Alors, Alonso Schumacher, Fisichella, Raikkonen, Montoya, Barrichello, Massa, Trulli, Weber, Button, pas trop de... voilà. Eh ben écoutez, on va faire ce qu'on peut, hein, comme d'habitude. C'est parti. Que les pilotes attendent le signal du départ. Et la course a commencé. Évite d'attaquer avant que les pneus ne soient verts sur l'indicateur. Quand ils sont bleus, ils accrochent moins. Les pilotes abordent le premier virage. Fernando Alonso sort en tête du premier virage. Et derrière lui, Michael Schumacher. Derrière, on trouve Giancarlo Fisichella. Bon, moi, il fait beau. En précisant pour l'histoire que cette même année, c'était Massa qui avait remporté le Grand Prix. La première victoire de sa carrière. Une voiture qui a du mal à la potion.
Oh, les pneus qui mettent du temps à monter quand même, hein. Toujours les pneus bleus. Regardez l'aspiration. Ah si, ça va, j'arrive quand même à revenir un peu. Ouf, 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 oh, le coup de frein, mon dieu. Allez, on est 16e. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Alonso est premier, Schumacher est deuxième. Fisichella est la troisième. Raikkonen est à la quatrième place. Juan Pablo Montoya est à la cinquième place. Barrichello, sixième. Accrochage dans le quatrième virage. C'est Christian Albers. Il quitte la course. C'est une grosse déception pour lui. L'autre pilote impliqué dans l'accident est Vito Antonio Liuzzi. La voiture s'en est sortie indemne. Le pilote a eu de la chance. On peut dire qu'on a vécu un Grand Prix de Turquie